Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast où on va parler de jeux sur Android, en l'occurrence Cut the Rope. Enfin, je crois, ou c'est Rope the Cut, un truc. Il y a Cut, il y a The et il y a Rope. Vous vous démerdez avec ça. Le jeu dont on va parler, c'est donc Rope Cut, R-O-P-E, plus loin, Cut comme. Coupé. Rope Cut qui est tout simplement une pâle copie de Cut the Rope, le jeu officiel qui lui est payant, et Rope Cut est gratuit. Donc ça se joue évidemment sur Android, ça se télécharge évidemment sur le market, et c'est un jeu assez sympa. Alors ça ressemble à Cut the Rope comme je vous dis, et ce n'est pas sans rappeler Angry Birds, bon ben en même temps il y a un jeu qui fonctionne, tout le monde essaye de le copier. C'est pas ridicule comme démarche stratégique, je vois pas en quoi ça serait un souci. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser là-dessus. Là pour le moment vous ne voyez rien, c'est pas important évidemment. Par contre si je vous mets là, vous voyez un trépied, bon ça on s'en fout aussi, et un petit HTC Desire HD. Donc ceci comme ceci, plus ou moins, hein, on va le faire à l'arrache. Je vais vous mettre là en fait, et moi je vais venir là. Donc, on s'est mis en mode avion, puisque hier j'ai remarqué que les perturbations de ce petit téléphone perturbaient le micro de la Sony HX, je sais même plus ce que c'est cette caméra, 550V. Chose qui n'arrivait pas avec l'iPhone ou avec un BlackBerry, donc je trouve bizarre, enfin bon bref. Donc, Rope Cut, pardon, c'est celui-ci, ici, pouf. Donc vous venez lancer ce petit joujou. Le principe c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez un petit serpent en bas, on va faire un play. Donc j'ai coupé le son évidemment, comme ça vous pouvez entendre ma voix de Cressel. On va prendre, allez le 1, on s'en fout, hop. Le but du jeu est super con, vous voyez c'est marqué en plus, vous coupez la petite corde ici, vous avez un bonbon, vous avez un petit snake en bas, et le bonbon doit tomber dans la bouche du petit snake en chopant le maximum d'étoiles. Donc si je me mets comme ça, vous y voyez peut-être mieux. Donc là, ben, c'est tout con, vous coupez la ficelle, clac, quand ça veut bien, ça descend, ça chope toutes les étoiles, et le petit snake il est content, il a mangé. Wouhou, excellent. 300. En même temps, c'est pas un truc qui est supra compliqué, ça se finit assez vite, mais c'est marrant. Donc là, par exemple, vous allez couper celle-là, je sais même plus comment on la finissait, celui-là, clac, là, et plus ou moins par là, mais ça passe à côté. Vous avez pigé l'idée du truc, clac, et clac. À chaque... Alors, ce qui est bien, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il faut choper le bon... Alors là, vous attendez pendant une demi-heure que la petite ficelle se stabilise. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer, c'est pas super, enfin c'est super addictif, mais c'est pas super chronophage. C'est-à-dire que le temps que la petite ficelle se stabilise, là, vous pouvez faire autre chose sur votre ordi, faire croire à votre patron que vous bossez ou ce que vous voulez. C'est pas moi qui vous l'ai dit, vous faites ça à vos risques et périls. Donc du coup, il y a pas mal de stages où il faut... où il faut attendre un petit peu, ou alors c'est que j'y joue très mal, ce qui est possible aussi, hein. Mais c'est franchement super sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup ce jeu, c'est marrant, c'est pas super compliqué. Angry Birds, il y a certains niveaux où il faut s'arracher les cheveux, en même temps c'est ce qui fait le truc du jeu, mais c'est ce qui a fait aussi qu'à certains moments j'ai failli ne plus y jouer. Bon là on va tenter un freestyle, hop, et qu'est-ce que s'est passé? Ok. Donc Angry Birds c'est cool, mais il y a des fois on se dit bon ben c'est peut-être pas praticable comme jeu, et donc on reste bloqué comme des cons. Là l'avantage c'est que c'est quand même assez easy, donc du coup putain chier sur la lune enculé, et ce podcast sera dans la catégorie explicite sur iTunes, hop. Ouais, et voilà, le petit snake l'a eu, il est content, score 200 parce que je n'ai eu que 2 étoiles tout simplement. Et puis voilà quoi. Donc là je suis pute, sans trop dire de conneries, qu'il va falloir couper celle-là, paf, pour choper ça, ensuite se repartir de l'autre côté, clac 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 clac, et voilà. Donc vous voyez, il y a des petits trucs où ça se joue réellement sur les rotations, etc. Et moi je trouve ça super sympa. Alors après, on va pas en faire des caisses pour vous parler de ce petit jeu, hein, vous le téléchargerez bien entendu. Moi, je suis ici. Ouais, putain, bien, bonne stabilisation et tout. Je vous dis à très vite. Petite présentation donc de Cut the Rope, de Rope Cut, pardon, je vais y arriver. De Rope Cut sur Android, compatible normalement avec tous les systèmes Android, avec tous les téléphones, pardon, sur Android. Et c'est tout, c'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.